position même à l'égard des populations noires mauritaniennes qui ont exprimé aujourd'hui la réalité en Mauritanie. Et quand on vous dit que l'esclavage n'est pas aboli, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Quelque part, non loin du Sénégal, vous avez encore des personnes dont légalement elles peuvent être maintenues dans un état d'esclavage, de travailler pour le compte d'autres, de subir des services sexuels, de ne pas être payées, de ne pas être soignées et d'être à la disposition du maître. Je pense qu'il a été important que nous fissions ou nous soyons ici pour entendre cela et répercuter ça à ceux qui doutaient encore de la persistance de l'esclavage aujourd'hui dans le monde. Je suis l'avocat des personnes déportées au Sénégal depuis le conflit sénégalo-mauritanien de 1989 et ces personnes sont dans une situation d'apatrie. Ces personnes ne sont ressortissantes d'aucun État. Aucun État ne les reconnaît comme ressortissants. Elles n'ont pas de protection, elles n'ont pas d'identité, elles sont dépourvues de nationalité. Nous sommes en train de préparer une action devant la Cour de justice de la Mauritanie, de la CEDEAO, pour attaquer le Sénégal, parce que la Mauritanie n'est pas membre de la CEDEAO, elle n'est pas redevable de la Cour de justice de la CEDEAO, mais le Sénégal, aujourd'hui, sera attaqué pour non-respect des droits fondamentaux de ces personnes qui sont aujourd'hui sans aucun droit. Même les enfants qui ont terminé leurs études à l'université de Dakar, qui ont des diplômes, quand ces enfants se présentent devant une société pour travailler, on leur demande une carte d'identité nationale. Ces personnes, ces enfants ne sont pas capables de prouver leur identité et par conséquent ne peuvent même pas accéder au monde du travail. Au-delà du Sénégal,